Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons prendre dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. Jean chapitre 10. C'est là que nous allons lire ce matin. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Vous devez toujours avoir vos Bibles avec vous. Jean chapitre 10, ils sont à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Amen. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Roi. Nous te sommes reconnaissants encore une fois ce matin de ce que tu nous permets d'entrer encore dans ta présence. Dieu d'Israël, Dieu bien-aimé, voici ton peuple devant toi, Seigneur. Nous venons de lire une portion de l'Écriture. Ce peuple est venu pour t'écouter. Nous avons lu, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons que toi, le grand esprit de Dieu, tu viennes nous en donner les contextes, ô Dieu d'Israël. Car il est écrit que la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Descends ce matin, Seigneur, parle à nos âmes, afin que celles-ci vivent, ô Dieu d'Israël. Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus affamés. Descends et nourris-nous de la manne céleste. Brise le pain de vie ce matin, Seigneur Jésus, afin que nos âmes vivent. Dieu d'Israël, Dieu bien-aimé, bénis tes enfants qui sont venus. Ils sont venus, Seigneur, avec des problèmes. Il y a ceux qui sont malades, ô Éternel, notre Roi. Nous croyons, Seigneur, que tu es le guérisseur. Nous croyons, Seigneur, que tu as la solution à tout le problème. Donne la solution au problème de tes enfants. Guéris tous ceux qui sont malades, Père de gloire, afin que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Nous voulons, Seigneur, qu'au sortir d'ici, ô Dieu d'Israël, que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin de Maüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors que nous parlions sur le chemin? Seigneur, visite-nous. Nous savons, Seigneur, que tu nous as toujours parlé. Ce matin, nous voulons que tu nous parles encore. C'est dans le nom de Jésus que nous demandons ici, Seigneur. Que tous les esprits soient soumis au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans la salle. Que la colonne de feu domine sur toutes choses. Seigneur, nous te laissons toute la place, ô Dieu d'Israël. Sois le maître, sois le Seigneur, ô Père, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Je continue avec la lecture. Nous sommes arrêtés au verset 5, 6. Vous pouvez vous asseoir. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et de brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage.
Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas le brebis voit venir les loups, abandonne le brebis et prend la fuite. Et les loups ravis, et les loups le ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît ses brebis. Et ses brebis aussi les connaissent. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du bon berger. Le sujet que nous prenons ce matin, c'est le bon berger. C'est la prédication du prophète. Dans certains endroits, on a intitulé ça seulement le bon berger. À d'autres endroits, c'est le bon berger de la bergerie. Amen. Je veux faire un effort pour ne pas être long, car je veux qu'à la fin de ce service, qu'on puisse parler entre nous. Amen. Amen. Alors, faites un effort de ne pas dormir. Amen. Amen. Ne dormez pas, nous allons partir vite. Je veux que quelqu'un arrive à capter quelque chose, que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Après, nous allons vous libérer. Amen. Amen. Le bon berger. Le Seigneur Dieu nous compare aux brebis. Amen. Nous sommes le brebis de Dieu. Nous sommes le brebis du Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas le brebis d'un homme. Nous ne sommes pas le brebis de quelqu'un. Mais nous sommes le brebis du Seigneur. J'aimerais que vous soyez les surveillants les uns sur les autres. Surveillez-vous comme ça. Si celui qui est à côté de vous somnole un peu, bougez-le. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que nous ne sommes pas les brebis d'un individu. Nous sommes le brebis du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous compare aux brebis. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur nous compare aux brebis? Amen. Amen. Le frère Branham me dit que le Seigneur nous compare aux brebis. Il dit que nous sommes des brebis. Il nous appelle de brebis. Pourquoi seulement brebis? Amen. Alors qu'il y a des boucs, il y a des moutons. Amen. Il y a des milets. Mais lui nous compare aux brebis. Le frère Branham m'a dit, c'est à cause des caractéristiques de brebis. Amen. Le brebis ont quelque chose de particulier. Les brebis sont différentes des autres animaux. Amen. Une brebis, Frère Branham dit que c'est un animal de sacrifice. Il dit que c'est un petit animal innocent. Amen. Une brebis ne se défend pas. Alléluia. Une brebis ne se bat pas. Amen. La brebis se donne calmement. La brebis, quand il faut tondre sa laine, il ne se bat pas. La brebis laisse ce droit. Amen. La brebis laisse ce droit. Une brebis ne connaît pas le chemin. Alléluia. Frère Branham me dit qu'une brebis est conçue de manière à ce qu'elle doit toujours être conduite. Une brebis ne se conduit pas elle-même. Si une brebis se perd, elle ne peut plus retrouver son chemin. Une brebis a besoin d'un conducteur. Il a besoin d'un berger. Alléluia. Une brebis est différente de bouc. Une brebis est différente de bouc. Elle est différente de chèvre. Elle est différente des autres types d'animaux. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur a préféré nous comparer aux brebis. Amen, amen. Amen.
Il dit, nous sommes comme de brebis. Nous sommes de brebis. Nous sommes le brebis de sa bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire les prophètes. Paragraphe 6. Le berger de la bergerie. C'est prêché en 1957. Le prophète dit ceci. Il dit, la brebis nous apprend beaucoup de choses. Si seulement nous pouvons la regarder et observer son comportement. Il n'a pas terminé. Il dit, une brebis est un animal de sacrifice. Un petit animal innocent. Et une fois perdu, elle est sans secours. Je pense que la raison pour laquelle Jésus nous a identifiés aux brebis, c'est qu'elles sont incapables, semble-t-il, de se débrouiller. Elles doivent dépendre de leur conducteur. Et elles ne peuvent pas se conduire l'une l'autre. Elles ne les feront simplement pas. Et cela m'éprouve une chose. Si on nous identifie aux brebis dans l'héritage de Dieu, alors nous ne pouvons pas nous conduire l'un l'autre. Nous sommes sans secours et il nous faut compter sur le grand berger de brebis, le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur nous compare à deux brebis. Le frère Branham a dit que nous sommes sans secours. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous secourir nous-mêmes. Une brebis ne peut pas se secourir. Ne comptez jamais sur vous si vous êtes une brebis. Alléluia. Amen. Si vous commencez à compter sur vous, on va se poser des questions si vous êtes une brebis. Car la brebis n'est pas comme ça. La brebis est sans secours. La brebis est sans défense. La brebis ne se débrouille pas. Alléluia. Amen. La brebis dépend totalement du berger. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que je parle bien? Amen. Jusque-là, ça va. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Une brebis dépend du berger. Et le frère Branham me dit, la brebis a encore, les brebis ont encore quelque chose de spécial. C'est que elles sont toujours ensemble. Amen. Les brebis sont toujours ensemble. Dans toutes les circonstances, elles ont toujours une raison pour rester ensemble. Les brebis ne se séparent pas. Les brebis ne se divisent pas. Elles sont toujours ensemble. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous identifie aux brebis. C'est très capital. Suivez très bien les caractéristiques d'une brebis ou les caractéristiques des brebis. Amen. Comme ça, vous allez vous situer. Amen. Comme ça, vous allez demander au Seigneur, fais de moi une brebis. Les brebis sont toujours ensemble. Elles trouvent toujours une raison pour rester ensemble. Enfants de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes de brebis. Nous devrons être toujours ensemble dans n'importe quelle circonstance. Amen. On devrait avoir toujours une raison pour rester ensemble. Frère Branham me dit que le brebis, quand il fait très chaud, elles se mettent ensemble. Elles se mettent ensemble pourquoi? Pour que tous ensemble, quand elles sont ensemble, l'ombre de celle-ci va couvrir l'autre. Et vice-versa. Amen. C'est comme ça qu'elles seront sous l'ombrage. Amen. Quand il fait chaud là, les brebis ne se dispersent pas. Celle-ci ne dira pas que non, je vais aller prendre un peu de l'air ailleurs. Non. Elles viennent ensemble. Et l'ombre de celle-ci couvre l'autre. De celle-ci couvre ensuite de suite. C'est comme ça qu'elle trouve l'ombrage. Amen. Et Frère Branham me dit, quand il fait froid, elles viennent encore ensemble. Elles se collent entre elles. La chaleur du corps de celle-ci va chauffer l'autre. C'est comme ça qu'elles seront toutes en chaleur. Amen. C'est comme ça avec le brebis. Et le peuple de Dieu, le Seigneur nous prend pour des brebis.
On devait toujours avoir une raison pour rester ensemble. Que les choses marchent ou pas, on devrait être ensemble. Amen. On n'a aucune raison. Nous n'avons aucune raison de nous diviser. Nous n'avons aucune raison de nous séparer. Vous pouvez me donner toutes les raisons possibles, mais vous ne les donnerez pas à Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu aura toujours raison. Amen. 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 Votre petite raison-là ne pourra jamais vaincre la parole de Dieu. Nous sommes censés être ensemble. Nous sommes censés être en communion. Amen. Vous voulez que je lise le prophète? Je veux lire le prophète. Au nom, le fruit miracle a parlé. Que lui-même parle. Il lui dit ceci. Le brebis sont des drôles de petites créatures dans un sens. Voici une autre chose que nous pourrions apprendre des brebis ce soir. Il dit, quand il fait très chaud, avez-vous déjà observé des brebis? Elles ne se sépareront pas. L'une étant à un endroit et l'autre à un autre. Mais au moment le plus chaud de la journée, les brebis vont toutes se tenir ensemble. Savez-vous ce qu'elles font? Elles font en sorte que l'ombre de l'une couvre l'autre. Il dit, elles communient. Le prophète appelle ça la communion. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons communier. Le prophète dit, elle communie. Pendant la chaleur, les brebis sont en communion. Amen. Je continue la lecture. Il dit, et ne serait-il pas bon que toutes les brebis de Dieu, pendant qu'il fait chaud, se tiennent ensemble? Il dit, ne serait-il pas bon que toutes les brebis de Dieu, pendant qu'il fait chaud, se tiennent ensemble? Est-ce qu'il n'est pas bon, ne serait-il pas bon que quand il fait chaud, que nous puissions nous tenir ensemble? C'est la question que le prophète pose. Amen. Est-ce qu'il ne serait-il pas important, pendant qu'il fait très chaud là, que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions communier comme le font les brebis? Amen. Le prophète continue. Quand les épreuves frappent très durement, qu'il fait chaud et des choses surgissent de tous côtés, si toutes les petites brebis de Dieu s'étaient simplement ensemble, nous aurions chacun la fraîcheur produite par l'ombre de l'autre, le réconfort en nous appuyant les uns contre les autres. Et Dieu Et il dit, eh bien, quelqu'un dira, est-ce nécessaire, frère Branham? Certainement, il n'y a rien de comparable au fait d'avoir un très bon ami, sur qui compter, auprès de qui, quand le problème surgisse, qu'il fait chaud, vous pouvez aller, vous vous asseyez, vous lui expliquez simplement cela, vous en parlez en confidence. Et puis, vous vous agenouillez et priez ensemble. Et vous savez que cette personne est un brave homme ou une brave femme sauvée par Dieu, en qui vous pouvez avoir confiance. Il dit, oh, c'est bon de faire cela. Venez et plaidons, disent les Écritures. Ou plutôt, venez et mettons-nous ensemble. Amen. Alléluia. Amen, amen. Frère Branham me dit qu'il faut toujours avoir un bon ami auprès de qui, quand vous avez des problèmes, vous pouvez aller vous confier. Vous allez le voir, vous vous asseyez, vous lui parlez de votre problème. Il dit, vous parlez en confidence. Alléluia. Amen. À qui vous vous confiez quand vous avez un problème? Amen. Amen. Tous nous avons des problèmes. Excusez-moi. Ne gardez pas vos problèmes pour vous-même. Vous devez le partager avec quelqu'un. Mais ce matin, je vous pose la question. Avec qui partagez-vous vos problèmes? Avec le païen? Alléluia. Vous partagez vos problèmes avec le païen?
Frère Branham dit, vous lui expliquez, vous parlez en confidence, et à la fin, vous finissez par quoi? Vous vous mettez à genoux. Amen. Vous priez ensemble. Le prophète dit, c'est un bon ami. Vous lui expliquez vos problèmes. Expliquez vos problèmes. Comme lui ne peut pas vous donner les solutions, la solution, c'est la prière. Amen. Vous vous mettez à genoux. Ayez un ami comme ça. Amen. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Ne vous confiez pas, parce que c'est parce que nous travaillons avec lui. Parce que nous étudions avec lui. Non. Il y a des gens qui donnent des mauvais conseils aux autres. Ils vont vous donner des mauvaises choses. Ayez un bon ami. Auprès de qui vous vous sentirez à l'aise. Vous lui présentez votre problème. Et à la fin, vous vous mettez tous les deux à genoux et vous priez. Car la solution, c'est dans la prière. C'est la prière qui donne des solutions. Frère Branham dit, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Il dit, quand le problème surgisse, quand les tentations arrivent, quand tout semble un peu compliqué, vous ne devez pas vous débrouiller. Vous êtes une brebis. Il dit, si nous pouvons, si toutes les petites brebis du Seigneur peuvent se mettre ensemble en communion. Si on pouvait se mettre ensemble, nous trouverons des réconforts. Nous aurons la fraîcheur. Mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, quand tu as des problèmes, les gens se dispersent. Quand tu as des problèmes, celui-ci prend son coin, pensant qu'il peut résoudre son problème tout seul. Alléluia. Il faut faire très attention. J'ai continué la lecture. Le prophète dit, « J'ai remarqué une autre chose en observant le brebis. Dans un pays froid, et quand tout le brebis n'a pas terminé, il dit, quand le blizzard souffle pour contrecarrer les effets du vent, toutes ces nombreuses brebis quitteront un côté du champ vers l'autre, et elles se serreront les unes contre les autres. Cela les garde au chaud, les unes les autres. La chaleur du corps de l'une aide à réchauffer l'autre. Amen. Et je pense que quand l'Église devient vraiment froide et indifférente, les brebis de Dieu devraient plutôt se serrer les unes contre les autres et prier les unes pour les autres. Et la chaleur d'une très bonne communion chrétienne, oh, cela représente beaucoup. Amen. David en parle dans le psaume. Il a dit, « Errez l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen, amen. Errer celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen, amen. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Ne vous asseyez pas en compagnie des incroyants. Ne vous asseyez pas au milieu de ceux qui critiquent ce message. Alléluia. Prenez plaisir aux lois de Dieu. Méditez-le jour et nuit. Alléluia. David dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Car l'homme ne peut rien vous dire de bon. Rappelez-vous toujours que les paroles des hommes sont des mensonges. La vérité, c'est la parole de Dieu. Soyez sûr que la personne auprès de qui vous vous confiez va vous apporter la parole. Va vous parler de la Bible. Va vous donner les conseils selon la parole de Dieu. Amen, amen. Une brebis ne se débrouille pas. Une brebis doit toujours être aidée. C'est pourquoi nous, les pasteurs, on nous appelle de bergers. Amen. Nous sommes de bergers. Un pasteur, c'est un berger. Et le brebis doit se confier à leur berger. Le brebis doit avoir confiance en leur berger, en leur pasteur. Alléluia. Car vous ne pouvez pas vous conduire seul. Une brebis ne se débrouille pas. William Branham me dit, consultez votre pasteur même dans de petites choses.
Vous devez consulter votre pasteur. C'est très important. C'est très capital. Dieu l'a placé là comme un berger pour veiller sur vous, pour vous aider. Ne fuyez pas votre pasteur, mais consultez-le même dans de petites choses. Ne critiquez pas votre pasteur. Aimez-le, soutenez-le. Dieu l'a placé là pour vous. Il est là pour votre bien. Il est là pour votre bonheur. Il est là pour votre salut. C'est le Seigneur qui l'a placé. William Branham me dit que quand quelqu'un a ce brebis, il doit chercher un bon berger. Un berger qui mérite, qui connaît, qui maîtrise un peu la chose, qui connaisse bien le brebis, qui maîtrise bien la nourriture de brebis. Alléluia. Alors le brebis doit faire confiance à leur berger. Parce que le berger connaît la nourriture pour le brebis. Certainement, il va vous amener au bon endroit. Il va vous amener au bon pâturage. Le berger vous dira, mangez ceci. Mangez ce que le berger vous donne. N'allez pas vous débrouiller. Vous irez manger une nourriture qui vous tuerait. Alléluia. Vous devez faire confiance à votre pasteur. On ne doit pas critiquer son pasteur. On doit être derrière son pasteur. Et vous devez être sûr que ce pasteur-là est placé par Dieu. Amen. Que ce berger-là connaît bien la nourriture des brebis. Amen. Que ce berger-là est conduit par le Seigneur. Alors faites-lui confiance. Amen. Alors écoutez ce qu'il vous dit. Alors suivez ce qu'il vous demande de faire. Amen. Amen. Consultez-le même dans de petites choses. N'arrêtez pas des grandes décisions sans consulter votre pasteur. Il peut vous aider. Il est là pour vous aider. Rappelez-vous toujours que vous êtes des brebis. Amen. Une brebis est sans défense. Amen. La brebis est sans secours. Amen. La brebis, si elle se perd, elle ne peut plus reconnaître son chemin. Amen. Alors confiez-vous à vos pasteurs. Ce n'est pas ce que nous vivons ici aux États-Unis. Nous partons à l'église seulement pour partir. Mais mes affaires, ce sont mes affaires à moi. Okay. C'est ma vie privée. Moi, je pars à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais le reste, là, c'est ma vie. Je ne peux pas dire ça au pasteur. Si vous ne pouvez pas faire confiance à ces pasteurs-là, quittez son église, s'il vous plaît. Alléluia. C'est ce que William Branham a dit. Il dit, soyez sûr que votre pasteur, c'est un homme bon, sauvé par Dieu. C'est un homme juste. Il a l'esprit de Dieu. Alors, faites-lui confiance. Il dit, même si vous l'appelez, alors que vous êtes malade et que lui ne vient pas, ne dites pas cet hypocrite-là. Je n'irai plus à son église. Non, dites-vous que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Faites confiance à votre pasteur. Amen. Si votre pasteur vous dit, levez-vous, levez-vous. S'il dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Ne faites pas ça, écoutez-le. Il est là placé par Dieu pour votre bonheur, amen, pour votre salut. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le berger est très important. Vous devez connaître le rôle de votre pasteur dans votre vie. Si vous ne maîtrisez pas son rôle, vous passerez à côté. Parce que votre pasteur doit être une bénédiction pour vous. Il constitue une bénédiction pour vous. Alors, si vous reconnaissez son importance, vous bénéficierez de ces bénédictions-là. Mais si vous ne maîtrisez pas l'importance de votre pasteur, vous passerez à côté. Vous raterez des bénédictions. Alléluia. Vous raterez des bénédictions. Votre pasteur, quand il vous bénit, vous êtes béni. Quand tu le pries pour vous, Dieu vous bénit. Amen. William Branham prenait des photos à l'église. Vous savez ça? Alléluia. Amen. William Branham prenait des photos à l'église. Il prend la photo pour toute l'église. Amen. Et il amenait ça chez lui à la maison. Il met ça quelque part. Pendant qu'il prie, il regarde les photos. Il voit, ah, là-bas, il y a Sœur Carmen. Il prie pour la Sœur Carmen. Amen. Ainsi de suite. Amen. Amen. Faites confiance à vos pasteurs. Ne contournez pas votre pasteur. Ne critiquez pas votre pasteur. Laissez-moi lire ce que le prophète dit. C'est dans la prédication. Je suis la résurrection et la vie. C'est prêché à Chicago, Illinois. Paragraphe 49. Il dit, maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. C'est la maison des dieux où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste
L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Amen. Vous êtes censé être unis à 100%. Amen. Et là, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Vous avez compris? Amen. Si vous n'avez pas cette unité-là, si vous ne croyez pas votre pasteur à 100%, le frère Branham m'a dit, alors le diable a une brèche par où entrer. Une église qui est là en train de critiquer son pasteur, de le dénigrer, le diable a une brèche. Alléluia. Le diable a une brèche. Alors dans votre église, si vous voyez des frères qui ne font que critiquer le pasteur, il faut leur dire d'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Il faut leur dire d'arrêter. Parce qu'ils sont en train de constituer une brèche. Ils sont en train de faire une brèche au diable. Le diable va entrer. Et une fois que le diable est dedans, il va vous compliquer la vie. Il va vous faire faire des choses comme pas possible. Si vous n'avez pas confiance à un pasteur, William Branham vous conseille d'aller ailleurs. Soit vous restez là, vous avez confiance en lui. Soit vous partez ailleurs. Ne restez pas là en train de le critiquer. Un chrétien n'est pas lâche. Un chrétien, c'est encouragé. Un chrétien n'est pas hypocrite. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut dire des choses en face. Qui peut prendre de bonnes décisions au bon moment. Amen. Alléluia. Nous sommes de brebis. Nous devons nous confier à nos bergers. Votre berger est là pour vous conduire jusqu'au ciel. Faites-lui confiance. Consultez-le même dans de petites choses. Quand il vous apporte la parole de Dieu, croyez la parole de Dieu. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des boucs. C'est les chrétiens têtus là sont des boucs. William Branham m'a dit, ce sont toujours des boucs qui sortent du chemin et pas une brebis. Les boucs sortent du chemin, pas une brebis. Alléluia. Frère Branham me dit, quand on doit amener une brebis dans l'abattoir, c'est le bouc qui l'amène. Amen. La brebis, comme elle n'est pas intelligente, la brebis, comme elle ne se défend pas, elle suit seulement le bouc. Et arrivé à un certain niveau, le bouc lui va sauter et la brebis reste. On va l'abattre. Amen. Ne soyez pas comme des boucs. Il est dans une église en train de critiquer tout le monde. Il est dans une église, mais il est contre le pasteur. Bouc. Mais nous, nous sommes censés être des brebis. Amen. Nous sommes censés être des brebis. Une brebis ne connaît pas le chemin. C'est son berger qui connaît le chemin. La Bible dit, quand le berger sort ses brebis dehors, il se met à marcher devant et les brebis le suivent derrière. Amen. Amen. Frère Branham a dit, il était quelque part. Le berger marchait devant et les brebis le suivaient. Il dit, ils sont passés là où il y avait toute la nourriture que le brebis aime là. Amen. Frère Branham dit, je m'attendais à ce que les brebis soient en désordre sur ça. Mais il dit, chose étrange, aucune brebis n'est sortie de la ligne. Elles étaient derrière leur berger. Amen. Il dit, ce sont des boucs qui sortaient. Alléluia. Frère Branham me dit que c'est dans un pays étranger. Il dit, c'est dans une voiture. Il voit le roulage arrêter toutes les voitures. Se sont arrêtées. Frère Branham me dit, je pensais que c'était le président qui passait. Mais je regarde, c'était un berger avec ses brebis. Alléluia. Frère Branham me dit qu'on a dit dans ici, le berger a la priorité. Dit, toutes les voitures se sont arrêtées. Le berger traversa avec ses brebis. Dit le berger a la priorité ici. Amen. Alléluia. Frère Branham me dit, je pensais, oh Seigneur, un jour le grand berger descendra aussi. Amen. Et toutes ses brebis seront derrière lui. Amen. Nous serons en train de marcher. Amen. Il dit, quel jour ça sera? Oh, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. Soyez derrière votre pasteur à 100%. Suivez votre berger. Amen. Ne suivez pas de boucs. Il y a une bénédiction derrière ça. Amen, amen. Quand vous exécutez la parole de Dieu, Dieu vous bénit. Amen. Alléluia. Amen. Il vous faut toujours un berger.
Il vous faut toujours un berger. Une brebis a toujours besoin d'un berger. Retenez ça. Le frère Branham me dit ceci. Maintenant, une autre chose concernant ces brebis. C'est qu'il leur faut un berger. Amen. Il leur faut un berger. Il dit, un propriétaire de brebis, quand il allait chercher un berger, il devait, il n'a pas terminé, il dit, il allait chercher jusqu'à ce qu'il trouve le meilleur berger qui puisse être trouvé. Amen. Un meilleur berger qui puisse être trouvé. Donc, en matière de berger, on ne fait pas de blagues. Il faut trouver les meilleurs qui puissent exister. Amen. Celui qui est digne de confiance. Amen. Celui qui est digne de confiance. Alléluia. Amen. Celui qui est digne de confiance, celui qui peut être votre berger. Amen. Amen. Mais ce matin, je vous parle du bon berger. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parle du bon berger. Amen. Je ne parle pas de n'importe quel berger. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je vous parle du bon berger. Amen. Maintenant, je suis dans mon sujet. Alléluia. Le temps est parti, mais j'entre maintenant dans mon sujet. Je vous parle du bon berger. Il est meilleur que tous les autres bergers. Il est bon plus que les autres bergers. Laissez-moi lire le prophète. Il lui dit, paragraphe 5, « Je ne pense pas qu'il y ait une chose plus glorieuse dont nous pourrions parler ce soir. » Nous sommes le matin. « Que du Seigneur Jésus. » Dit, il est la personne la plus glorieuse dont nous pourrons parler. Amen. Et j'aime vraiment parler de lui. Amen. Et le vanter, car il est digne de tout ce qu'on pourrait dire. Amen. Et je n'ai pas encore trouvé dans ma voix, vraiment, ou plutôt dans ma pensée, un mot qui puisse donc exprimer ma gratitude envers lui, Amen, pour tout ce qu'il a fait pour moi, Amen, et pour les autres. Frère Branham a dit, je n'ai pas encore trouvé de mots. Alléluia. Rappelez-vous, le dimanche passé, nous avons dit, parlons de Jésus. Amen. Nous devons vanter Jésus. Amen. Frère Branham me dit, je n'ai pas encore trouvé de mots dans ma langue. Oui. Je n'ai pas encore trouvé de mots dans ma pensée pour lui exprimer ma gratitude pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour les autres. Donc, Amen, ce qu'il a fait, c'est trop. Les mots sont impuissants pour exprimer cela. Le vocabulaire sont impuissants. Donc, on ne peut pas trouver un mot. Le Bouddha m'a dit, même dans ma pensée, je n'ai pas encore trouvé. Alléluia. Je n'ai pas encore trouvé, même dans ma pensée. Alléluia. Il dit qu'il est la personne la plus glorieuse. Il mérite tout ce que nous pouvons dire. C'est pourquoi quand vous voulez dire, parler de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je n'ai pas encore trouvé de mots. Même dans ma pensée, je n'ai pas encore trouvé de mots pour lui exprimer ma gratitude par rapport à ce qu'il a fait pour moi et pour les autres. Observez ce que le Seigneur a fait pour vous. Depuis votre jeune âge jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a fait pour vous, nombreux qui étaient nés le même jour que vous sont décédés. Le jour où vous êtes venus au monde, il y a eu ceux qui étaient des morts nés. Amen, amen. Et c'est seulement de compter les camarades avec qui vous avez vécu dans votre enfance. Vous voyez que tel est décédé, tel est au village, tel a démarré, ainsi de suite. Amen. Ah. Voyez ce qu'il a fait pour vous, pour votre famille, pour tous ceux qui sont autour de vous. Voilà. Vous ne trouverez pas de mots pour lui dire merci. Ah. C'est ce que William Branham a dit. Ah. Il dit, il mérite tout ce que nous pouvons dire. Il mérite notre vie. Ah. Ce que nous sommes, c'est Jésus. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes dans ce message à cause de Jésus. Amen, amen. C'est sa grâce qui nous a appelés dans ce message. Amen. Au moment où nous sommes ici, il y a des gens qui sont dans des bars. Amen, amen. Mais sa grâce est tombée sur vous. Amen. Si vous pouvez penser à cette grâce-là, vous manquerez de mots pour le dire merci. Amen. Le frère Branham me dit, ce soir, je l'ai appris, nous sommes le matin, il dit, j'aimerais parler de lui en tant que le bon berger de brebis. Vous savez, nous apprenons beaucoup de choses sur ce petit animal. Il dit, ce soir, je vais parler de Jésus comme le bon berger. Amen. Alléluia. Rappelez-vous toujours
Rappelez-vous que le dimanche, nous avons dit que Jésus est le sauveur. Il est le Dieu puissant, le Père éternel. Le prophète dit que quand Esaïe a parlé, il a parlé. Il a manqué de mots. Après, il a dit qu'il est merveillé. Et frère Branham a dit, pour ce soir, je veux parler de lui comme le bon berger de brebis. Êtes-vous des brebis? Êtes-vous une brebis? Je veux parler de lui ce matin comme le bon berger de brebis. Comme votre bon berger. Il n'est pas seulement votre berger, mais il est le bon berger. Il n'est pas seulement berger. Il pouvait être berger seulement, mais lui, il est encore bon. Alléluia. Il est le bon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est votre berger. Ce matin, je vous l'ai dit, que Jésus-Christ est votre berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que Jésus a dit. Il est votre berger ce matin. Il est le bon berger de brebis. Alléluia. Je vais lire le prophète. Le prophète dit, il dit, eh bien, c'était quelque chose d'étrange. Jésus dit ici dans Saint Jean 10, je suis la porte. Je me suis toujours demandé comment il pouvait être une porte alors qu'il était un homme. Cela m'a toujours intrigué. Comment pouvait-il être la porte et être encore un homme? Il dit, quand j'étais là en Orient, j'ai compris ce que cette écriture voulait dire. Il dit ici, je suis la porte. Et tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs. Et alors, je me demandais ce que c'était. Il dit, et en Orient, oh, comme ils prennent soin de leurs brebis, les bergers les ramènent la nuit et ils les comptent toutes pour voir si chacune est entrée. S'il y en a une qui manque, il ne se couchera pas avant d'aller au désert ou partout où il les a gardés toute la journée. Et il retrouvera cette brebis-là. Il dit, la mettra sur les épaules et la ramènera. Alors quand elles sont toutes dans la bergerie, alors le berger se couche à la porte. Il est la porte de la bergerie. Il n'y a pas d'autre passage. C'est un corral recouvert d'un toit. Et rien ne peut entrer pour aller auprès de ses brebis sans dépasser le berger. Amen, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen. Il dit, je me posais toujours des questions. Comment Jésus dit que je suis la porte alors qu'il est homme? Comment un homme peut devenir une porte? Je ne comprenais pas. Mais quand je me suis rendu en Orient, c'est là que j'ai compris. Alléluia. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas si vous n'avez jamais été aux États-Unis. Amen. Quand les prophètes parlent et que vous êtes en Afrique, d'autres choses vous passeront par-dessus la tête. Mais une fois que vous arrivez, vous comprenez. Ah, je vois maintenant. Frère Branham, quand il est parti en Orient, il dit que la Bible est devenue un livre nouveau. Amen. Il dit, quand je suis parti en Orient, j'ai compris que là-bas, ils prennent bien soin de leurs brebis. Le berger, quand le soir arrive, il compte toutes ses brebis. Alléluia. Amen. Il dit, s'il se rend compte qu'il y a une brebis qui manque, il ne se couchera pas. Amen. Il va rentrer. Partout, il est passé avec ses brebis la journée. Amen. Amen. Il dit, quand il va trouver cette brebis-là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va blâmer la brebis? Non, non messieurs. Est-ce qu'il va taper la brebis? Non, non messieurs. Alléluia. Amen. Il dit, il va prendre la brebis. Il va la mettre sur ses épaules pour la ramener à la maison. Et une fois que nous, les brebis sont au complet, toutes les brebis sont là, il se place maintenant à la porte. Alléluia. C'est là maintenant qu'il devient la porte. Et il dit, il n'y a que cette porte-là. Amen, amen. Rien ne peut passer, aller vers le brebis sans passer par le berger. Donc avant d'atteindre le brebis, vous devez enjamber le berger. Vous devez passer par le berger. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je me sens religieux ce matin. Amen. Rien ne peut arriver chez le brebis sans passer par le berger. Le berger se met à la porte. Il devient lui-même la porte. Alléluia. Frère Branham a dit,
Et il dit, et quel soulagement, quelle belle chose de savoir que quand nous sommes cachés sous sa protection bénie, il devient la porte. Et rien ne peut vous arriver. Peu importe ce que c'est, tout cela devra passer par le berger. Si c'est la maladie, elle peut être pour votre correction. Elle peut servir de témoignage contre l'ennemi. Elle peut être pour exalter le nom de Christ. Mais rien ne peut vous arriver sans qu'il ait permis. Il est la porte de la bergerie. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, si vous êtes une brebis, si vous êtes la brebis du Seigneur, rien ne peut vous arriver si lui n'a pas permis, si lui n'a pas autorisé. Et pourquoi vous vous plaignez toujours? Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous tourmentez? Si vous êtes une brebis, on a appris ici que la brebis ne se débrouille pas. La brebis est sans défense. La brebis dépend de son berger. Et vous, vous avez un berger. Et votre berger est le bon berger. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte de la bergerie. William Branham dit, quand nous sommes sous sa protection divine, sa protection bénie, rien ne peut vous arriver si lui n'a pas permis. Rien, alors rien. Quand on dit rien, c'est rien. Rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous arriver. Je vais vous rassurer ce matin. Arrêtez de trop penser. Arrêtez de trop vous imaginer des choses. Vous êtes sans défense, je vous le dis. Vous ne pouvez pas vous défendre vous-même. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour vous-même. Arrêtez alors de trop penser, de trop vous imaginer des choses. Si vous êtes sous sa protection bénie, rien, alors rien ne peut vous atteindre si lui n'a pas permis. Le prophète dit, ça peut être la maladie. Peut-être cette maladie-là, il l'a permis pour sa gloire, pour servir de témoignage à l'ennemi. Alléluia. Alors ne vous dérangez pas. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous lamenter. Même le manque d'argent, ça ne peut pas vous atteindre si Dieu n'a pas permis. Ce dernier temps, je n'ai pas d'argent. Il y a la crise. La crise ne vous atteindra pas si votre berger n'a pas permis. Avant que la crise vous atteigne, elle doit passer par votre berger. Avant que la maladie vous atteigne, le berger est la porte. Alléluia. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Elle le dit, paragraphe 15. Il a dit qu'un véritable berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'écoutera pas, il fuira et laissera le brebis. Mais le véritable berger reste avec le brebis. Et je suis très content qu'il ait prononcé ces paroles. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que Dieu aura une brebis, Dieu a un berger pour conduire cette brebis. Combien nous devrions être heureux. Les brebis de Dieu sont conduites par le berger de Dieu. Amen. Il dit, combien devrions-nous être heureux? Il dit, combien de temps cela devra-t-il durer? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous. Je vous conduirai, vous nourrirez, vous guiderez, vous garderez jusqu'à la fin du monde. Le berger de Dieu, il n'a pas à enlever l'un et proposer l'autre. En effet, l'homme ne peut pas être le berger de Dieu dans ce sens-là. L'un mère et l'autre les remplace. Mais c'est le berger-ci, le grand berger du troupeau. Il donne sa vie une seule fois et cela devient immortel. Et son esprit aujourd'hui ne peut jamais être tué. Et il est le conducteur et le nourrisseur constant et perpétuel du troupeau, jusqu'à ce que son corps de chair vienne de la gloire. Alléluia. Amen, amen. Il dit le berger de Dieu, il donne sa vie une seule fois pour ses brebis, et elle devient éternelle. Et son esprit reste avec nous, jusqu'à ce que son corps revienne. Son corps revient quand? C'est à l'enlèvement. Il va vous conduire tout le temps sur vous, passez sur la terre des hommes. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous nourrirai, je vous guiderai, je vous protégerai, je vous garderai. Amen.
Et d'où viennent que les gens se mettent à se lamenter, à s'inquiéter, à se déranger? Êtes-vous des brebis? Êtes-vous des brebis? Amen. Votre berger prend soin de vous. Écoutez seulement ce que le berger vous dit. Suivez la conduite du berger. Il a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Est-ce que vous connaissez votre brebis? Amen. Rien ne peut vous atteindre si lui n'a pas permis. Amen. Si lui n'a pas autorisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a, je veux lire encore le prophète. Amen, amen, amen. Il le dit. Il a dit que tous ceux qui viennent, c'est paragraphe 12. Il a dit que tous ceux qui viennent sont des voleurs. Tous ceux qui s'approchent de lui, cherchant à vous avoir, cherchant à vous faire sortir de sa bergerie, sont des voleurs, des mauvais, qui cherchent à vous enlever de sa bergerie. Mais ils ne peuvent pas vous avoir. Je veux vraiment le dire d'un ton bêlant. Rien ne peut vous déranger si vous êtes dans la bergerie de Dieu, car il est lui-même la porte. Amen. Il n'y a pas d'autre passage. Tout doit être permis par lui. Amen. Parfois, vous dites, pourquoi suis-je tombé malade? C'est peut-être pour sa gloire. Amen. Une fois, alors qu'il dépassait un aveugle, les disciples ont demandé, qui a péché, cet homme ou ses parents? Et Jésus a dit dans ce cas-ci, ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées. Alléluia. Frère Branham a dit que ce jeune homme était aveugle de naissance. Il n'a jamais connu la cause de ce qui lui arrivait. Amen. C'est à cet âge ici qu'il va se rendre compte qu'il était aveugle pour la gloire de Dieu. Il était aveugle pour qu'un jour, la gloire de Dieu éclate dans sa vie. Alléluia. Si vous êtes une brebis du Seigneur, la situation dans laquelle vous traversez aujourd'hui, c'est pour que la gloire de Dieu éclate dans votre vie. Ne vous dérangez pas. Alléluia. Le berger est lui-même la porte. Le berger est la porte. Rien ne peut vous atteindre à condition que vous soyez dans sa bergerie. Soyez sûr que vous êtes dans sa bergerie. Alléluia. Et lui, il est la porte. Rien ne peut vous atteindre si lui n'a pas permis. Amen, amen. Amen. Ah. Il lui dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de temps pour lire. Il dit, vous vous rappelez de l'histoire d'un berger qui avait cassé la patte de sa brebis. Alléluia. Amen. Il a cassé la patte de sa brebis. Il lui dit, quelqu'un lui a demandé, qu'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu, je lui ai cassé la patte. On a demandé, pourquoi lui avez-vous cassé? N'êtes-vous pas un berger cruel? Vraiment. Il a dit, non, j'aime beaucoup cette brebis. Alléluia. Amen. Mais à un moment, cette brebis commence à s'éloigner de moi. Et je sais que quand elle s'éloigne de moi, là où elle part, les loups sont là-bas. Les loups vont la manger. C'est pourquoi j'ai cassé sa jambe. William Branham me dit que ça arrive de fois que Dieu vous jette sur les lits de malades. Amen. Amen. Vous devenez malade. Ou Dieu bloque quelque part. Il bloque un peu les finances. Mais il a remarqué que vous ne donnez pas l'importance à sa parole. Vous commencez à vous éloigner de lui. Et la seule façon pour lui de vous gagner, parce qu'il ne veut pas vous perdre, il va vous bloquer quelque part. Comme ça, vous allez revenir. Il voudra vous voir revenir encore à genoux. Quand vous dites, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aide-moi. Là, il est content. Là, il est content. Amen, amen. Amen. Vous êtes de brebis de sa bergerie. Il ne peut pas vous perdre. Il n'est pas méchant, mais il vous aime. Il est le bon berger. William Branham a dit qu'il ne peut jamais vous perdre. Il dit, car un berger, s'il perd une brebis, c'est sa honte. Amen. Donc, un berger qui perd une brebis, c'est sa honte. Donc, si Jésus vous perd, ça sera sa honte. Donc, il ne peut jamais vous perdre. Alléluia. Il ne peut jamais vous perdre. Oh. Le prophète dit, c'était paragraphe 20. Qu'est-ce que cela représente quand nous avons un réveil à l'ancienne mode et que les agneaux naissent à chaque instant? Le berger se couche juste au milieu de son troupeau, veillant à ce que ce petit entre dans le royaume de la bonne façon. Il dit, alléluia, je suis si content de ce qu'il est à la tâche nuit et jour.
Il a dit, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Je serai toujours avec toi, même jusqu'à la fin du monde. Amen. David a dit dans le psaume, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Oh, peu importe où vous êtes, si l'entrepreneur des pompes funèbres vous enterre à une profondeur de 10 pieds ou 1,95 m, il ne pourra jamais cacher cette brebis aux yeux du berger. Il connaît l'endroit exact où vous vous reposez et vous êtes marqué. Un glorieux jour, il appellera et je répondrai. Oh, comme c'est merveilleux, les brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Pourquoi le berger doit-il être tout le temps à la tâche? Il doit se rassurer qu'aucune de ses brebis n'est perdue. N'êtes-vous pas content de cela? Si le berger perd une brebis, c'est une honte pour le berger. Alléluia! C'est une honte pour le berger. Et notre Jésus ne peut pas avoir honte. La honte ne peut pas atteindre notre Jésus-Christ. Comme il est notre berger, il est le bon berger. Il ne peut pas avoir la honte sur lui. Il ne perd aucune de ses brebis. Il ne vous perdra pas. Que personne ne vienne vous dire que Jésus va vous perdre. Si Jésus vous perd, si quelqu'un dit que Jésus va vous perdre, c'est qu'il veut simplement dire honte à Jésus. Jésus ne vous perdra jamais. Car il ne peut pas avoir la honte. La honte ne peut pas tomber sur Jésus. Alléluia. William Branham dit, n'êtes-vous pas content? Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le temps est parti. On doit sauter pour voir autre chose. Frère Branham. Frère Branham, si le berger perd une brebis, une selle seulement, une selle, alors qu'il en a beaucoup, ça fait quoi? Il dit, c'est sa honte. Un berger qui perd une brebis, c'est sa honte. Amen. Frère Branham dit, il y a environ 2 ans, Monsieur Moore, Monsieur Brown et moi-même revenions de Roosevelt Dam. Et nous avions été là, contemplant la nature et tout, et communiant. Et nous nous sommes mis à chanter le mieux que nous pouvions, donc chanter avec leur force. Quand vous voulez chanter Jésus-Christ, chantez le mieux que vous le pouvez. Amen, amen. Amen. Ne faites pas du à peu près. Chantez du mieux que vous pouvez. Donnez toute votre force. Alléluia. Le frère Branham m'a dit, contemplant la nature et tout communiant, et nous nous sommes mis à chanter le mieux que nous pouvions. Les anciens cantiques de la rédemption par les saints. Et on dirait que ces collines du désert s'étendaient continuellement. Et j'ai dit, frère Mo, ce n'est pas une vision réelle, mais j'ai une vision de ce qui arrivera un jour. Quand Jésus viendra, quand tous les rachetés de tous les âges se tiendront sur la surface de cette terre et chanteront, rencontreront l'histoire. Ils ont été sauvés par la grâce et ils chanteront ce cantique de la rédemption. Les anges se tiendront loin de la terre, les têtes inclinées, ne sachant pas ce dont nous serons en train de parler. Ils n'ont jamais eu besoin de la rédemption. C'est nous qui étions perdus. C'est nous qui l'a racheté. Et ce sont des êtres qu'il a créés. Mais nous, nous étions perdus. Mais maintenant, nous sommes retrouvés. Nous pouvons chanter la rédemption. Amen. Quel jour ce sera? Amen, amen, amen. Jésus ne vous perdra pas. Il vous a sauvé par sa grâce. La grâce ne peut pas vous perdre. Quelqu'un qui est sauvé par la grâce ne peut plus être perdu. Si Jésus vous perd, honte à lui. Mais il ne vous perdra jamais. Un jour, William Branham dit, j'ai la vision réelle de ce que ça sera. Tous les rachetés se tiendront sur cette terre en train de chanter, de parler de l'histoire de l'humanité. Les anges seront tête inclinée, loin de la terre, car ils ne connaissent pas ce que c'est la rédemption. Car ce sont des créatures que Dieu a créées. Mais nous, c'est nous qui étions perdus. Et nous sommes maintenant retrouvés. Alléluia. Jésus ne vous perdra pas. Il est le bon berger de la bergerie. Il est le bon berger de la bergerie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire prend fuite. Le mercenaire, quand il voit le loup venir, il laisse les brebis, il prend fuite. Mais le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis.
C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a abandonné sa gloire. Il a quitté son, il a abandonné son trône. Il est venu sur la terre. Il a pris ta place afin que toi tu prennes la sienne. Il est devenu péché pour que toi tu deviennes saint. Lui qui était trois fois saint, il est devenu péché. Il a pris le péché sur lui afin que toi ce matin tu sois sans péché. Il ne te perdra jamais. L'œuvre de la croix ne peut jamais échouer. L'œuvre de la croix ne peut jamais faillir. Amen. Alléluia. Jésus ne vous perdra jamais. Jésus ne vous perdra jamais. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Le prophète dit ceci. Le prophète dit, je vais partir rapidement, parce que le temps est parti, dit, pas plus tard que la veille, avant de quitter le pays, j'ai observé la route. Et il y avait là un homme. Il faisait paître un grand troupeau d'animaux. Et je vis qu'il y avait de mulets et aussi du bétail. Il y avait des chèvres et il y avait de brebis. Et je dis, comment appelez-vous cet homme? Et l'homme qui était avec moi a dit, c'est un berger. Oh, je dis, un berger? Oui. Eh bien, et je dis, et le prophète était étonné. Il dit, oh, un berger? Eh bien, ai-je dit, un berger, ce n'est donc pas seulement pour les brebis. Amen. Le prophète pensait qu'un berger, c'était seulement pour les brebis. Mais là, il a vu, il y avait des mulets, il y avait des boucs, il y avait des chèvres. Il dit, oh, maintenant, celui qui a été de conduire tous ces animaux ici, on l'appelle comment? Il dit, un berger. Toujours un berger, ce n'est pas seulement pour les brebis. Amen. Le prophète continue. Il lui dit, il a dit, c'est exact. Non, attends. Et j'ai dit, eh bien, oh, écoutez. Eh bien, ai-je dit, un berger, ce n'est donc pas seulement pour le brebis? Il a dit, non. Berger signifie celui qui fait paître. Et j'ai dit, eh bien, avez-vous remarqué que le brebis, le chèvre, le mulet et d'autres broutent dans le même pâturage? Il a dit, c'est exact. Bien, ai-je dit, alors un berger a un bon cœur. Oui, mais a-t-il dit, le moyen pour lui de déterminer ce qui est sien, c'est quand la nuit tombe et qu'il fait sombre. A-t-il dit, le berger va appeler et chaque brebis dans le champ va venir vers lui. Et lui va faire entrer ses brebis dans l'étable ou dans les corrales. Il va se coucher devant elles. Mais le mulet, le bétail et le chèvre resteront dans les champs. Alléluia. J'ai dit, excuse-moi, frère. J'aimerais juste dire un mot à mon berger maintenant même. Alléluia. Pouvez-vous dire aussi un mot à votre berger? Alléluia. Amen, amen. Il dit, peu importe la théologie, un quelconque grand diplôme ou une personne importante, tout ce que je veux être, c'est une brebis humble qui, quand la nuit commence à tomber sur moi, je veux qu'il m'appelle pour entrer. Il peut y avoir de mulets, de chèvres et autres qui mangent cette même nourriture. Mais il n'y a que le berger seul qui fait entrer ses brebis seulement la nuit. Frère, dit, si vous imitez le christianisme, si vous avez un esprit comme celui d'un mulet ou un esprit comme celui d'une chèvre qui barbote dans ce monde, un de ces jours, la nuit va tomber et vous ne reconnaîtrez pas la voix du berger. Pourquoi ne pas connaître cela ce soir et savoir ce que représente être une brebis? Alléluia. Amen. William Branham dit que le berger, quand la nuit tombe, il appelle seulement le brebis. Amen. Il dit, remarquez, le bétail, le chèvre, le bouc, tous et le brebis mangent la même nourriture. Mais la nuit, ce n'est pas tout ce qui entre dans l'étable. Ce ne sont que des brebis qui entrent. Le mulet reste dehors. Il reste dans le champ. Il dit, mon ami, si vous imitez le christianisme, sachez que l'un de ces jours, la nuit va tomber et vous n'allez pas reconnaître la voix du berger. Car pour reconnaître la voix du berger, il faut être brebis. Ne vous contentez pas seulement d'aller à l'église. Ne vous contentez pas seulement d'écouter des bons sermons.
mais devenez de brebis. Soyez de brebis. Car quand la nuit tombe, le berger appelle de brebis. Les autres restent dehors. Alors qu'ils ont tous mangé la même nourriture. Alors que nous avons tous écouté la même parole. Mais il n'y a que des brebis qui vont entrer quand la nuit va tomber. Alléluia. Amen. William Branham dit, c'est important de connaître la voix du berger maintenant. Amen, amen. Je vais finir par lire ceci. Donc pour terminer, le prophète dit, paragraphe 33, j'aimerais que vous réfléchissiez. Amen. Amen. J'aimerais que vous réfléchissiez. Vous direz, oh frère Branham, j'aime la parole de Dieu. Oui, frère. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Les mauvaises herbes là se sentent tout aussi bien. Elles se réjouissent tout autant d'avoir cette eau qui tombe du ciel. Elles s'en réjouissent tout autant que votre coton, que votre jardin. C'est la même eau. Mais au temps de la fin, qu'est-ce qui se passe? Il envoie les anges pour rassembler toutes les ronces et toutes les mauvaises herbes. Les mauvaises choses et cela est jeté au feu. Mais qu'est-ce qui arrive au blé et au grain? Cela est emporté au grenier. Les mulets, les ânes, les chameaux, tous les autres animaux qui broutent sur le sol, ils mangent certainement le même genre de nourriture que chaque homme qui va à l'église. Mais celles le brebis sont appelées au coucher du soleil. Amen. Êtes-vous une brebis ce soir, frère? Alléluia. Amen. Je dis, chère sœur, êtes-vous l'une de ces petites agnelles de Dieu? Si vous n'en êtes pas sûr, rassurons-nous-en maintenant. Maintenant même, voulez-vous lever la main vers Christ et dire, par ceci, Christ, je t'accepte maintenant comme mon sauveur. Sois miséricordieux envers moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? William Branham dit, vous devez vous lever la main. Dire que je vais t'accepter. Alléluia. Car au temps du soir, il n'y a que des brebis qui seront appelées. Amen. Il n'y a que des brebis qui vont entrer. Ils ont mangé la même nourriture que le mulet, les ânes. Mais il n'y a que des brebis qui vont entrer. Il n'y a que des brebis qui reconnaissent la voix du maître, du berger. Alléluia. Amen. Il n'y a que des brebis. Vous avez intérêt à être une brebis. Amen. Vous pouvez dire, Seigneur, je t'accepte ce matin. Fais de moi une brebis humble. Une brebis qui va suivre le berger. Amen. Que je ne sois pas un bouc, Seigneur Jésus. Que je sois une brebis. Je veux être une brebis. Celui qui ne défend pas ses droits. Celui qui ne se débrouille pas. Mais celui qui se laisse guider. Celui qui suit le berger. Alléluia. Amen, amen. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Chacun de nous va prier le Seigneur. William Branham dit, il faut faire très attention. Il dit, mon ami, si vous imitez le christianisme, sachez-le bien que l'un de ces jours, la nuit va tomber. Quand la nuit va tomber, le berger va appeler. Et vous ne reconnaîtrez pas la voix du berger. Vous ne reconnaîtrez pas la voix du berger. C'est important pour vous de reconnaître ça ce matin. Alléluia. Il est le bon berger de la bergerie. Vous êtes ce brebis. Vous devez accepter qu'il vous conduise. Vous devez accepter qu'il vous dirige. Vous devez accepter que vous êtes sans défense. Vous devez manger que ce que lui vous donne. Car celui qui connaît la bonne nourriture, celui qui connaît ce qu'il vous faut. Quand vous commencez à vous débrouiller, vous trouvez vous-même à manger, vous allez vous tuer. L'un de ces jours, la nuit va tomber. Amen. Et le berger va appeler. Il n'y a que des brebis qui vont entrer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.